charu pela gogo mi vo mi no mujo. Afin de connaître l'heure qui sonne dans notre vie. Nous si, maolo,
Et ce que Dieu fait en ce moment précis, à force, le pas que Dieu aimerait que nous posions est comme des enfants de Dieu, afin que le dessein de Dieu se réalise dans notre vie. Praise the Lord. Nous y avons dit. Et c'est ceci que nous développons. Et nous avons découvert Jacob. Il avait vécu en Mésopotamie 14 ans durant. Mais il avait constaté que il avait des femmes et des enfants, mais n'avait aucun bien matériel. Et pour subvenir à leurs besoins. Et je retourne dans mon pays, les Médites. Mais l'Éternel ne lui dit, mais et tu ne rentreras pas bredouille. Et parce que là-bas n'a accusé de malice. Et pour tricher Jacob. C'est ainsi que toi et moi nous vivons dans le monde. Et le monde par ses ruses nous triche. Est-ce que cela va rester ainsi à toujours? L'Éternel te dit ce matin. Changement va intervenir obligatoirement. Praise the Lord. Alléluia. Et le changement vient de l'Éternel. Et c'est auprès de l'Éternel que le miracle se produit. Et quiconque se confie en lui n'est point confus. Et si donc si le monde croit, et que tu es devenu un vaurien, et que tu es devenu de moyen, et que tu ne vas jamais réussir dans la vie, l'Éternel te dit, il va changer ta vie ce matin. La lumière du monde. Amen. Et nous faisons des efforts pour l'expliquer. Et ce que nous pousse à découvrir beaucoup de choses. Nous allons continuer d'expliquer ce mot encore aujourd'hui. Frères et sœurs, plusieurs ne savent pas que ce qu'ils voient entre dans leur pensée et nous et va se multiplier dans leur vie. Et que ce soit du bien ou du mauvais ou du mal. Et c'est cela qui va se multiplier. Et parce que c'est ça qui est entré dans tes pensées. Et voilà ce que nous expliquons. Et plusieurs ne savent pas que ce qu'ils entendent entre dans leur pensée. Et cela crée une image dans leur pensée. Et cela se multiplie dans sa propre vie. Que ce soit du bien ou du mal. Et plusieurs ne savent pas que ce qu'ils ressentent dans leur corps et que cela est transmis aux pensées et crée des images là et cela va se multiplier que ce soit du bien et du bien ou du mal. Voilà comment la chose agit. Voilà ce que nous expliquons également. Et nous sommes arrêtés à une parole de Dieu la dernière fois. Retournons à ce verset. Éphésiens. Le chapitre 20. Le verset 20. Ok. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Amen. Et fait ce temps,
C'est en fonction de cela que tu vas agir.
Et c'est pourquoi j'avais dit, non, non, je garde aujourd'hui. Et quand on met une grande marmite sur le feu, et on va préparer dans cette marmite pour 100 personnes. Et c'est un seul bois de feu qui se trouve sous cette marmite. Et combien de jours penses-tu que cette nourriture va faire avant d'être cuite? Et si tu ne fais pas attention, ça peut prendre des mois. Avant que la cuisson ait lieu, plusieurs ne savent pas. La chose importante à laquelle ils doivent travailler, et c'est l'Esprit de Dieu qui les anime. Et leur vie spirituelle, et au sujet duquel ils doivent travailler. Ainsi, quand la vie spirituelle s'accroît, la foi en même temps s'accroît aussi. La même. Alors, et ta vision va changer. Nous sommes et ce que voient les autres, et tu ne verras pas la même chose. Et parce que nous avions vu les amis. Et qui a de l'huile renfermée dans lui. Et qui a du pain à boulot renfermé dans un pain. Nous sommes. Et tout ce que tu vois, nous il y a une autre chose cachée là. Dedans. Et qui est en plus grand nombre que ce que tu vois. Nous tout. Kakea. Mais le kinawobe. Et comment feras-tu? Nous si le moine. Afin que ce qui se trouve. Chose, et qui est en plus grand nombre que ce que tu vois. Et tu arrives à révéler cela. Il y a de l'argent qui est renfermé dans l'argent. L'argent que tu possèdes. Et la petite somme que tu as. Il y a une autre somme d'argent qui est renfermée. Et qui est en plus grand nombre que ce que tu vois. Comment feras-tu afin de faire sortir cela? Va se dessiner. Juste parce que nous voulons le. Et tu n'es travaillé sur l'esprit qui t'habite. Et que ton esprit acquiert sa maturité. Et donc en s'accroissant, et ta vision va être différente. Parce que dès que tu vois la chose, c'est la même chose qui va te revenir. Pour cette raison, la Bible nous dit ici. Mao, Dieu a me cité Wana. Qui peut faire un Wana que Dieu. Il fait au-delà. Aïe, nous sommes chez les Diana. Et tout ce que tu demandes, ben nous sommes les Diana qui nous tamer. Et l'objet de tes réflexions, Mao, Awo, Wasongo, Jowo, Alessi. Et Dieu fera infiniment au-delà de ce que tu penses. Où va-t-il trouver cela? C'est la question. Où Dieu va-t-il trouver cela et le faire? C'est une question. Et celui qui se fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. Où pensons? Où va-t-il trouver cela? Où va-t-il le trouver? Où va-t-il le trouver cela? Où Dieu va-t-il trouver cela? Il va le trouver dans ce que tu vois. Maudé. Et c'est pourquoi Dieu tout ce qu'il va te faire, Maoué, il ne le fera pas au-delà de ta foi. Maoué, il ne le fera pas au-delà de ta vision. Pas du tout. Mais jusqu'à ce que tes pensées reconnaissent que Maoué, Dieu a dit à moi.
from now. Et tu l'expliques. Et il ne sait pas. Et que tu n'as compris cela. Et que cela pénètre tes pensées. Et que tu sais que. Non, non, monsieur. Image ici. Et cette image. Maou a témoigné. On nous envoie et Dieu peut la rendre plus grande que ce que tu vois. À nous marquer. Et Dieu va comprendre. Et tu vas commencer à voir cela. Le loulou me boum. Et dans une plus grande forme. Et il y a Maou a mousse. Le Dieu qui a cette puissance. Ah oui, non, la lèvre le combien. Elle le fera selon ta vision. Dumbu a aussi. Rappelle-toi de la veuve. Pour exemple, a dit. Et de son exemple. Est-ce que Elisha Blonyane? Lorsque Élisée lui parla, elle a commencé en même temps à voir la chose de cette manière. Et il lui a demandé de faire quoi? D'aller emprunter des fruits. Maintenant, les fruits et les fruits qu'elle est partie chercher. Sont comparables à sa vision. Ainsi, et tout ce fut et s'est rempli pour elle et c'était fini. Et Dieu ne l'avait pas fait au-delà du nombre des fruits empruntés. Elle avait un question combien. Et parce que les fruits qu'on avait apportés à ou bien ont un certain nombre. Et selon ce nombre, et c'est le nombre là qui détermine la vision qu'avait eue cette femme. Et ce que la femme a vu, et Dieu lui a fait cela. Et c'est pourquoi ce que toi aussi tu vois, et Dieu le fera de même pour toi. Et en fonction de ta vision, que c'est l'ordre. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais te conduire quelque part. Allons dans Colossiens. Et le chapitre 2. Et le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Pour les sept ans, tu as vécu plus de l'air. Est-ce que tu as tout le monde? Si tu as si mon ami, tu le sais de deux. Écoute bien. Pour les sept ans, tu as vécu plus de l'air. Est-ce que tu as tout le monde? Si tu as assis mon ami, tu le sais de deux mains. Si tu traînes le mien, tu l'as. Ayez, au dit dans le mien, le mal au domaine. Et si me, au clair de à titre au grand, tu l'as. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Papiaka. Premièrement, Jésus Christ, Denis. Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Et nous avons ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Étant donc né de nouveau, et tu es entré dans une nouvelle naissance, et quelque chose arriva dans ta vie. Nous sommes joyeux pour la vie. Et voilà, et nous allons voir maintenant ce qui était arrivé. Depuis le jour où tes parents t'ont engendré, en vérité, et quelque chose avait volé ta vie. Quelque chose t'a volé. Et quand on vole ou on dérobe quelque chose, que veut dire cela? On l'a volé, que veut dire cela? Hein? On a pris quelque chose à part que l'on a voulu. Et on l'a encore fait. Cela veut dire qu'on a déplacé quelque chose. Et d'une mauvaise manière. Ok, très bien. C'est bon? Allez-y. Quelque chose okay. T'a
l'avait volé. Et c'était quoi? En vérité, et Dieu avait voulu que tu ressembles à ton père. Et que tu sois comme ton père. Et que tu grandisses comme ton père. Et également à l'image de ta mère. Et ta famille de provenance. Et que tu aies la vie de cette famille en toi. Et que leurs actes te pénètrent. Et que leur prospérité te pénètre. C'est ainsi que le plan de Dieu. Mais avant que tu ne sois engendré, la famille a déjà déraillé. Et elle est tombée des rails. Et elles sont entrées dans une autre voiture. Et ton père n'était pas dans le bon ordre avant que tu n'arrives. Ainsi donc, en t'engendrant, nous et ce à quoi Dieu t'a prédestiné, et parce qu'ils ont chuté du chemin, et cette nature-là qui vient alors quand on chute du chemin, et c'est elle qui est entrée en toi, et c'est en cette nature que tu es grandi, et ton quartier, nous et tout ce qu'on fait dans ce quartier, et c'est cela que tu révèles, et parce que c'est ça qui est entré en toi. Nous sommes aussi et tout ce qui arrive dans ton environnement, et tu l'as vu, et tu l'as entendu, et cela a pénétré tes pensées, et agit en toi. Ainsi, le plan de Dieu dans lequel il voudrait que tu demeures, et tu n'es pas dans ce plan. La Bible dit, ainsi, au tout moment, tu auto assimilé de l'anguille. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Non. L'acte si auto assimilé écrit à Madame Moulomwa. Et quelqu'un a écrit cela. Pour me tomber moi. Les gens de ta famille ont écrit cela. Et ton père a écrit un acte. Et ta mère aussi l'a écrit ce acte. Le quartier dans lequel tu habites a écrit ce acte. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit cela? Ce qu'ils ont écrit. Et c'est ça que tu vois dans ta propre vie. Et ce qu'ils ont écrit sur toi. Et c'est cela qui se passe dans ta vie. Et cela elle ne te réjouit pas. Et c'est ça qui cause tes pleurs. Et c'est cela qui t'empêche de réussir dans la vie. Et c'est cela qu'on a écrit. On l'a écrit sur toi. Et que tu sois d'accord ou non, on l'a écrit là. Et comme on l'a écrit sur toi, et cela se fait voir. Et pourquoi? C'est cela que nous allons voir maintenant. Praise the Lord! Alléluia! Amen! Amen! Retournez la sainteté. Écoute bien et entends ceci. Ce commandement et ce précepte
On l'a écrit sur toi. Et en écrivant cela sur toi, non, frère et soeur, nous caillons. Et qu'est-ce qui était arrivé? Ma carrière a mis à ma décision, on a pas la photocopier. Mais j'ai envie de dire. Je suis sûr que nous connaissons, hein? Nous avons déjà vu un photocopier. Qu'est-ce que c'est? Il y a un appareil, une machine à l'aise. Une machine, un appareil. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ah, on a un cas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a la photo. Il prend des photos. Ah, photocopie, là. Il fait des photocopies. Un cas photocopie, là. Et qu'est-ce qu'il photocopie? Hein? Nous, si, autre année. Ce qu'on lui donne. Ma vie, frère et soeur. Ma ouvre. Et Dieu t'a créé, toi. Elle l'a fait photocopier machine. Et tu as la nature de cet appareil de photocopieur. Mais ne pas. Ou de photocopier. Elle est machine. Le sous. C'est ainsi que cette machine se présente dans tes pensées. Mais il y a un cas. Maintenant, que tu es arrivé. Nous sommes quand de photocopier. Et ce qu'on a est placé dans l'appareil. Donc, il y a dit. Et rappelle-toi de cette parole. Quand on dit maintenant. On dit qu'il comme dans un miroir. Maintenant, sur quoi place le papier sur l'appareil? Et comme un miroir. Et un vitre, oui. Est-ce que vous pouvez t'arrêter là? Donc, en le plaçant dessus, allez-vous blanchir photocopier là? Et en mettant en marche l'appareil, à comment est-ce que et tu verras qu'il y a une lumière qui passe. Elle a une puissance, c'est le haut sous. Et c'est la puissance qui est dans tes pensées. Allez-vous surtout moi qui paille. Et cette lumière passe sur la copie. Et qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ah, on a. Il va faire quoi? Il va reproduire cette copie. Regarde mon en faisant le choix. La feuille qu'on a déposée. Allons sur cela. Nous sommes pour ce qu'il a vu là-bas. Lié au détour. Et c'est ce qui le reproduit. Vivia. Maintenant. Au programmé. On l'a programmé. Et là-bas, nous l'avons programmé. Et parce que certains. Nous programmé. Il y a des 100 copies d'eau. Et si on demande de faire un jeu de 100 copies, il y a un cas de dogue. Et qu'est-ce qui va arriver? À la vie, dis-toi. Est-ce qu'il peut 100 copies cela? Oui, 100 copies. Oui. Et sans que cela arrive à changer. Nous et pourquoi? Nous y allons.
C'est à cause du programme. Et ce qui est déposé sur l'appareil de photocopie, c'est cela qui sort. La Bible nous a fait comprendre. Nous sommes que Dieu est puissant. Nous sommes afin que ce que tu vois. Nous et l'objet de tes réflexions. Il peut faire multiplier cela pour toi. Il peut faire multiplier cela pour toi. Et que cela soit manifeste. Et c'est pourquoi ce que l'acte qu'on a écrit. Et moi, il va le bouger. Et c'est cela qui se fait voir maintenant dans ta vie. Et chaque prière que tu formules. Et c'est juste. Elle est renforcée, moi. Et cela fait. Est-ce que la sort? Cela va sortir. Es-tu jeune? Es-tu pris? Et cela ne fait que renforcer ton statut ancien. Est-ce que la sort? Et comment est-ce qu'il renforce cela? On a programmé cela sur 10 ans. Es-tu jeune? Es-tu pris? Est-ce renforcé? Et cela renforce la situation de tes enfants de 5 ans aux 10 ans. Et que cela continue. Et tu continues à prier. Et tu ajoutes de 5 ans aux 15 ans, cela fait 20. Et ça sort toujours. Et ça sort. Et si tu ne fais que vivre cette situation dans ta vie. Et s'il te plaît, explique. Frères et sœurs, et tu dis, Dieu, mais pourquoi est-ce que la chose est telle dans ma vie? Et pourquoi ne peux-tu pas changer ma vie? Et Dieu, pourquoi ne le fais-tu pas? Frères et sœurs, nous si. Le photocopie a dit. Et ce qui est placé sur l'appareil de photocopie, c'est la reproduction que l'appareil a dit. Et voilà. Nous qu'on a écrit, l'acte écrit sur toi. Et c'est cela qui fait sortir. Et tu lui as permis de l'écrire là-bas. On l'a écrit par les paroles. On l'a écrit par tes visions. On l'a écrit par tes sentiments. On l'a écrit par tout ce que tu as goûté. Ainsi, et tout vient maintenant sur le tableau. Pour cela, la parole a dit, ainsi, ne le comme là. En contemplant, en voyant cela, ten out ten. Et tout là. Non, mais ce n'est pas là. L'image que tu vois, un chi, se multiplie. Il est multiplié. Et ceci de gloire en gloire. Tu nombres les dix, il nombre beaucoup de. Et d'un nombre à un autre nombre. Aïe, abe, c'est. Et parce que c'est un commandement. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu peut faire à ce sujet? Et Dieu ne peut rien faire à ce sujet. Et cela t'étonne? Mais c'est vrai. Parce que tes pensées sont programmées dans cette voie. Et ta volonté est engagée dans cette voie. Et si donc Dieu ne peut pas passer outre ta volonté, pour cette raison, avant que Dieu fasse quelque chose, il faut donc que ta volonté change d'abord. Que tu refuses de voir ce que tu voyais. Mais qu'est-ce qu'on fait
stop. Stop. On appuie sur le bouton stop. Benassel. Le chapitre 4.
Le verset 9. 1 Chroniques chapitre 4, le verset 9. Mm-hmm. Jabez était plus considéré que ses frères. Mm-hmm. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Amen. Chronique avant totale. Nya ne pi caché que y a. Bubuno Jabez un uno viao. Eye dadana kwa ve Jabez. Lesi o se bebe rapidji. Frères et sœurs, je dis que je ne fais que concasser cela. De ton nuit. Écoute bien. Jabez. Jabez. Bible avec blabber. La Bible a dit. Le pape de nous. Quand la fin de sa vie. Il était plus honoré que tous ses frères. Mais cela n'a pas été le cas au départ. Et comment cela a été pour lui? Et sa mère conçu. Et il a elle a éprouvé beaucoup de douleurs. Et durant et tous les mois qu'elle a passé avec lui. Et depuis le premier jour, elle était dans la douleur. Elle se lassait de la vie. Elle avait le besoin dans sa vie. Même me trouver à manger, c'est un problème. Non, oui, elle avait pas ça. Et cette femme était dans la voie. Elle n'avait même pas d'argent pour s'acheter des produits. Et elle traversa cette douleur longtemps. Et quand elle va l'enfanter, un coup couler. Et il s'en est fallu de peu qu'elle dépasse. Et elle enfanta l'enfant. Elle lui donna le nom. Royaume Jabez. De Jabez. Frères et sœurs, nous sommes déjà avec cela. Et il y a la racine. Et quiconque crée l'amertume, il va la servir.
comment va-t-il procéder? Comment est-ce que tu veux? La douleur lui dit. Bonjour, Maxime. Libérez de ce vaudou. Oui. Brise-le. Maman,
Change ta position. Change ta position.
Et voilà ce qui arrive. Jabez, mama. Et Jabez a dit, aujourd'hui, et je vais changer la bénédiction de l'Éternel. Et si l'Éternel me bénit, oui, il a écrit. Et que tu étends la terre, c'est moi. Et je ne serai plus sur une superficie. So, Yeah.
Amen.